On a fait la première fin du jeu, qui a un peu, je peux dire, l'ensemble de ce qui va se passer. Mais là, vu que c'est un jeu au mon goût, comme pour Spy Fox, Sam P. Jump et Pouce Pouce, et ben on va faire les autres New Game Plus en 4 ou 5 fois. Et donc du coup, on est reparti, je peux dire, pour carrément redécouvrir le jeu, mais surtout pour voir concernant les changements qu'il y a eu. Enfin, surtout les changements de gameplay, si je peux dire. C'est aussi grave, Lego c'est grave. On a pour le nouvel épisode sur Martin Malice et le mystère du monstre du lagon. Et ouais, du coup, c'est parti. Du coup, on a vu par exemple dans l'épisode précédent qui se trouvait entre la gauche et la droite. Mais voyons par exemple ce qui se trouve derrière. Et bien sûr, on va faire avec la touche Escape. Salut, moi c'est Rollo. Qui êtes-vous? Enchanté, Rollo. Je suis Marine Malice. Et voilà mon copain Luther. Ravi de vous rencontrer. Ah, et là, par contre, c'est là, par contre, je me souviens très bien, par contre, dans le jeu, c'est que t'as une sorte de main, littéralement, qui peut s'agripper. Oh, Jésus. Désolé, mais une main qui peut s'agripper pour aller chercher, en gros, par contre, le ballon, qui se trouvait pas, par contre, dans une palourde, mais dans une sorte un peu de corail qui, par contre, peut très vite bouffer. Allez, hop. Ah, donc t'as pas le truc du collectionneur de cartes, donc c'est pas lui, donc... Ah, donc y'a pas eux qui sont là. Et ok, donc par contre, je peux dire normalement, le trou qui est censé représenter, je peux dire, un habitat, et ben en gros, il est par contre... Oh la vache, mais j'ai une nez qui chatouille. En gros, qui représente par contre maintenant, cette fois-ci, un podium. Et pardon, j'ai encore tapé le micro. Bon tiens. Un oursin violet. C'est un ours. Voilà, mais du coup, y'a quoi en haut? Oursin violet. Attends, hop. 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 Et à moi. Je l'ai. Impeccable. Waouh. Allez, on part. Ah, j'ai pas souvenir de ça par contre. Bon, allez, on s'en va. Du coup, il y a quoi par ici? Bonjour Hugo. Salut Marine, salut Luther. Quoi de neuf? Toujours la même chose. J'analyse des échantillons de nourriture. Ouais. Bon, donc toujours lui qui est là. Bon, ça change pas. Et la militaire. Ah, par contre, la militaire, elle, c'est différent. Donc t'as un truc où t'as d'autres Kyoki, une carte et une radio. Ça me dit quelque chose, mais... Attends. On va y avoir autre part, et sinon, ok. Y'a rien par ici. Bon. Allez. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Il nous a donné les clés, et donc du coup, bah, il faudra aller, bah... Aller ouvrir. C'est vraiment débile, hein. Bon, allez. Hop, on a les clés. Et allons-y. Ouverture. Quelle clé dois-je essayer? Essayons cette clé. Voilà. Hop. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, attends. Il veut quel numéro? Attends. Je parle toujours trop vite à chaque fois. Pourrons-nous parler au maire? Dès que vous m'aurez trouvé le démêle-nageoire numéro 12 pour que je termine... Ok. Le 12. Donc après le 7, le 12. Donc le 12, c'est ceux qui sont en haut, au milieu. Ce doit être... Allez hop. Allons-y. Hop. Et voilà le numéro 12. Voilà votre démêle-nageoire, Marco. Ouh, quelle efficacité! Vous pouvez finir les soins du maire maintenant. Mais bien sûr, dans un instant. Et voilà! À demain, monsieur le maire. Splendide, vraiment.
Et donc, par contre, bien sûr, comme d'habitude, on passe notre déclaration pour qu'on puisse entrer dans le parc du lagon. Monsieur le maire, nous avons une autorisation à vous faire signer. Elle nous permettra de rentrer dans le parc du lagon de corail pour résoudre le mystère de ce terrifiant monstre marin. Hein ? Ah, oui. Il y a bien un monstre marin qui terrorise les citoyens du lagon de corail, n'est-ce pas ? Oui. Merci, monsieur le maire. Maintenant, l'agent Julie nous laissera entrer dans le parc. Bonne chance à vous deux. Les citoyens du lagon de corail sont heureux de pouvoir compter sur vous. Waouh ! Bon, alors je sais pas pourquoi j'ai laissé cinématique, mais je trouvais ça très drôle par contre. Et donc du coup, on a enfin donc, je peux dire, le... Bah, le topo. Alors attends juste. Non. Non, lui toujours là. Donc, bon, allez. Alors on va donc rendre donc ce lagon de corail. Hop. Et on entre. Un oursin. Ah, le fameux truc. Le fameux truc est... Voyons voir. C'est même cinématique. Et ok, t'as pas les trucs dans Roro avec le tourni-tourni. Donc littéralement, ben... Bah normalement tu peux entrer comme ceci, hein. Mais on n'a pas la clé en soi. Alors, il y a quoi par là? Non, je peux pas rentrer. Non, il y a tout. Alors, attends. Voyons voir. Non, non, non et non. Alors, attends donc. Journée à droite et tout à gauche. Et, ah, ok. Une boussole. Ou plutôt une sorte de timer ou quoi. Mais, ok, c'est bien ce truc-là qu'il faudra. Alors, attends. Le jaune va là. Le ici. Et le rouge. Et normalement, c'est ouvert. Ouverture. Et voilà. Du coup... comment faire pour ouvrir ceci? On dirait qu'il faut un code pour ouvrir ça. Mais comment le trouver? Je ne suis pas sûre. Nous allons peut-être avoir besoin d'aide. Excellente question. Bah du coup... allez hop. On sort et on remonte. Non, rien du tout... Hop. Oh, attends. Oh, lui, je vois ce que c'est lui. Et ok, je vois ce que c'est comme collier. Là, il me faudra de la colle. Hein. Mais où trouver cette colle? Ce gobi doit vraiment s'amuser en sautant de flaque en flaque. Il arrive à traverser toutes les flaques. Attends une minute, j'ai peut-être compris quelque chose. Faudra faire hop, 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 hop. Hop et hop. Ici. Ici. Ensuite là. Ensuite là. Non, tu remontes un peu par là. Et tu vas par là. Et ensuite tu arrives là. On a réussi, Luther. Ouais, quel talent. Un oursin violet rien que pour moi. Et moi alors? Pour toi aussi, Luther. Ok. Bon, on a 4 oursins. C'est la bonne nouvelle, mais attends. Y a quoi par là alors? Cet oursin violet n'attendait que nous pour le ramasser. Et ok. Et on a donc les 5 oursins violets. Comment faire pour récolter ceci? Luther, regarde. Et là, je vois par exemple, je vais dire quoi sur le point, c'est que avec les oursins donc, qu'on a gagné, on va pouvoir utiliser par exemple pour aller acheter un peu ces genres de chips en soi. Un sachet de plancton, s'il vous plaît. Pas de problème. Un oursin violet.
Ok. Donc c'est un chargé de chips en forme de plancton. Ça donne faim. Tant qu'on est dans les affaires là, allons acheter ce fameux truc du... le truc rétractable. Hein. Alors, un oursin. Le bras. Un deuxième. Et le troisième. Voilà un autre oursin violet. Allô? Oh non, on n'a pas pu écouter. Mais bon, bref, en gros donc on a maintenant le fameux track... C'est un bras télescopique. Je crois que ça ne va servir à rien. Exactement. Non. Attends, je refais totalement ceci. Alors attendez, je fais une ellipse. C'est bon, là on va voir un peu le dialogue. Voilà un autre oursin violet. Parfait. Voilà, merci beaucoup. Donc du coup, on a le bras qui prend un peu d'agrandir notre bras. Et attends, est-ce qu'il dit pareil? Bonjour, il y a quelqu'un ici? C'est Marine Malice et Luther. Salut les copains, moi c'est Nick. Je voulais réparer cette enseigne. Salut! C'est à nous qu'il parle? Oui. Tout allait bien. Puis la vis dont j'avais besoin pour mon enseigne est tombée dans cette anémone venimeuse. Aïe, comment allez-vous faire? Aucune idée, je suis coincé. Vous pouvez m'aider? C'est une blague, plutôt deux fois qu'une. Luther veut dire que nous serions ravis de vous aider à remonter votre enseigne. Ah, et attends, et là, peut-être que je comprends un truc. Ah, j'ai oublié celui-là. Voilà, merci beaucoup. Mais attends, et si j'utilisais en gros maintenant ce bras pour agripper au moins ce boulon? J'ai la vis! Ce bras télescopique est une grande invention. Ah ouais! Et hop, voilà comment on peut avoir ce qu'on veut sans prendre de risques. Oh non! De toute façon, on ne devrait plus en avoir besoin. Comment casser un truc en une seule fois? Bon. Ok, donc normalement lui il faudra son bateau avant la clé. Donc le truc c'est que la bouteille en verre par contre en question ne trouve pas là. Mais il nous faut de la colle. Mais où trouver par contre cette colle? À moins que... J'ai peut-être une idée en soi. Attends. Non, c'est pas par là. C'est par ici et on va lui donner le sachet. Miam miam. Hop. Et là, on lui file tout le paquet. Ça va l'occuper pendant un moment. Allez, à nous le collier. La voie est libre, Luther. Je l'ai! Bravo, Marine! Bien joué, Luther. Nous avons le bracelet avec le tournevis dessus. Ah, mais attends une minute. Ce bracelet avec tournevis, est-ce que ce serait pas parente pour madame qui se trouve tout au fond? Attends. Non, mais si on a déjà discuté... Donc c'est avec elle qu'il faut discuter. J'ai fait un tour de grande roue une fois. Vous l'avez déjà fait? Non, mais j'ai travaillé dessus. Elle était cassée? Non, c'était juste par prudence. Oui, mieux vaut être prévoyant. Ok, et donc là, donc si j'ai de comprendre, donc on va lui passer en gros le trousseau. Un bracelet avec un tournevis. Ouais, enfin plutôt cet outil. Donc pour qu'elle puisse en gros, je peux dire, réparer la machine, on se remet un oursin ici. Et peut-être par contre qu'on va récolter encore, je peux dire, le truc un peu, fluo. Allez, tenez madame. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous aider. L'autre jour, j'ai perdu mon tournevis. C'est une histoire assez effrayante. C'était un jour comme les autres.
J'avais fini de travailler tôt et je nageais dans le parc du lagon avec des amis. Soudain, une énorme créature est apparue. Elle m'a tellement fait peur que mon bracelet avec le tournevis accroché dessus est tombé dans un trou de murène. Je suis terrifiée par ce monstre et cette murène. Je n'y retournerai pas. Voilà votre bracelet. Et le tournevis est toujours dessus. Fantastique. Je vais réparer cette machine illico presto. Quelle rapidité! Hop, c'est bon. Un oursin violet la partie. Bonne chance. Au revoir. Voilà, et bien sûr, c'est Eoku, par exemple, que tu lui donnes un coup de main, par exemple, pour réparer la machine en question. Nous avons un oursin violet. Ouais, bah attends, on fait le truc du mini-jeu. Mais est-ce que ça récolte la même chose? Je voudrais les faux tatouages. Attention, doucement. Doucement. Oh, j'ai pris un collier fluo. Il est chouette. Waouh. Au moins, nous avons pu jouer une fois avant qu'elle ne retombe en panne. Oui, et nous avons gagné ce joli collier fluo. Je le porterai si tu ne l'aimes pas. Non, je le garde. Je suis sûre qu'il nous sera utile. Ouais, en gros, bon, ça, ça change pas. Le truc de lapin, si tu gagnes le collier fluo. Ok. Et donc... Attends une minute. Attends. On n'a pas fait tous les magasins, hein. Allons voir dans le nougat. Ok, on retrouve elle, la machine à nougat, le truc et... Non, ok. Air-ice alors. Mais du coup, attends. Donc, si on a le truc qui est ici, enfin, le truc de nourriture, est-ce que si je passe par entre à notre ami Hugo, est-ce qu'il va nous repasser par la même clé? Tu ne peux vraiment rien nous dire de plus sur cette nourriture? Hélas, non. Seulement si je trouve une pince pour réparer mon microscope. Ah oui! Tu as toujours besoin de cette pince. Ça, oui. Attends, donc, lui, il lui faut une pince. Mais du coup, cette pince, où est-ce que je peux la trouver? Réfléchis. Ok, donc lui, il faut une pince pour réparer ceci, mais attends. Elle veut quoi, la générale, alors? Hé! Hey, la carte que vous avez là a l'air très intéressante. Ça, oui. C'est une carte topographique des fonds marins. À quoi sert-elle? C'est une carte très détaillée qui sert à explorer l'océan en profondeur. Vous partez en mission de reconnaissance? Chut, la mission qui m'est confiée est top secrète. C'est confidentiel et je ne peux rien dire à personne. Malheureusement, je ne partirai pas en mission tant que je ne pourrai pas lire cette carte. Je ne sais pas dans quel sens la lire. Et à moins que je ne trouve très vite où se trouve le Nord, je ne pourrai pas emmener mon armée de Tétras sur le lieu de la mission. Si seulement je pouvais mettre la main sur mon compas de précision, je pourrais repérer l'endroit exact qui est indiqué sur cette carte. Luther et moi aimerions vous aider, mais où pouvons-nous trouver un compas de précision? Je crois qu'il y a un compas de précision dans le coffre du commandant qui se trouve dans l'épave du Raymond Fitzpatrick. Vous ne pouvez pas le sortir? D'abord, il faut trouver le code qui ouvre le coffre. Alors, à quoi servent les Tokiwoki? Quelqu'un doit aller à l'épave et me transmettre le code lettre qu'il aura trouvé. Ma machine peut déchiffrer le code et me donner le mot de passe. Je peux le faire. Tu sais te servir de ça? Je communique en morse, pour des raisons de sécurité. Oui, je me débrouillerai. Ok, donc là, en gros, il y aura une partie de gameplay où pour... Ah ouais, mais carrément. C'est totalement différent de comment c'est, mais c'est-à-dire que par... Attention, hein. Dans ce genre de truc, quand tu cliques sur un personnage, jamais appuyer sur la touche Escape trop vite. Parce que sinon, ça coupe tout le dialogue et tu sais pas pourquoi tu as ce machin. Hein. Ok, par contre, pour Hugo, il faudra une pince. Bon, lui, ça s'est déjà réglé. Voyons voir. Attends une minute.
Laisse-moi discuter avec lui. J'étais en train d'admirer ma dernière maquette. Waouh ! Il doit falloir beaucoup de patience pour faire ces maquettes. Elles sont comme mes enfants. Je n'aime pas les voir partir. Vous avez une bien grande famille. Exactement. Et cette pince, t'en auras besoin ? À quoi ça vous sert ? La pince ? Je vais l'utiliser pour démonter ce bateau. Je n'ai pas de bouteille assez grande pour lui. Ça doit vous faire mal au cœur d'en démonter un. Oui, c'est terrible. Je n'aurais pas besoin de cette pince si j'avais une bouteille assez grande. On peut peut-être vous en trouver une ? Ce serait formidable. Ouais, c'est vrai. Du coup, attends, je regarde un peu par ici. Une pince. Alors lui, il a plutôt cette carte. Ok, je réfléchis. Attends une minute. Allons voir au coiffeur. Bon, c'est un peu un client différent en soi, je crois bien. Mais attends. Alors retournons donc au parc du lagon. Enfin, lagon de corail. Donc là, t'as la porte où il faudra la clé. Ah, et là, donc, t'as le fameux truc en gros de la boîte en question. Enfin, le navire plutôt. Allez, on ouvre. Je vais transmettre le code lettre à Marilou en morse. Ensuite, elle pourra utiliser son décodeur pour le déchiffrer et nous renvoyer la combinaison du coffre. Génial! Ok, alors, donc, le code qui est ici, donc, c'est T-O-G. Donc, du coup, là, tu as... Du coup, c'est là par là que tu c'est fais. C'est là qu'il faudra entrer la combinaison. Mais il faut d'abord envoyer le code en. Ouais, mais attends. Laisse-moi tester un truc au pif. C'est là. Attends, laisse-moi tenter le truc au pif là. Juste pour la bonne blague. C'est là qu'il faudra entrer la combinaison. Mais il faut d'abord envoyer le code en morse à Marilou. Ok, et là c'est peut-être tout fait pour dans le changement. Donc alors, le premier, c'est un T. Et le T, c'est un tiret. Ensuite, le 2, c'est un O. Et le O, c'est 3 tirets. Bon, c'est le bruitage là qui te vrille les oreilles. Et le G, c'est le... tiret, tiret, point. Envoyé. C'était le bon code, Luther. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décoder le message en morse de Marilou et à entrer les bonnes lettres de la combinaison pour réussir à ouvrir le coffre. Youpi ! Ça va être un jeu d'enfant ! Donc alors, donc, le T, il reste pareil, ça ok. Mais la partie du milieu, donc c'est rond, tiret, rond, rond. Alors, rond, rond, tiret, rond, rond, où est-ce qu'il est ? Parce qu'attends... Je regarde ici, alors attends, laisse-moi bien réfléchir. Rond, tiret, rond, rond. Alors déjà, y a-t-il un rond ? Des ronds. Ah, voilà. Rond, tiret, rond, rond. Donc c'est un L. Donc là, faudra plus montier par là. Du coup, rond, 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 c'est un S. Du coup, ça fait le TLS. Vous êtes là, Marilou ? C'est moi, Marine. Je te reçois 5 sur 5. Qu'y a-t-il ? Nous avons trouvé le coffre du Raymond Fitzpatrick. Et d'où je me trouve, je peux voir le compas de précision. Bon travail. Rapportez le compas à la base. Terminé. Oh, mais nous n'en avons plus besoin. Allez, à moi. Maintenant, prenons le compas et allons retrouver Marilou. Ouais, enfin, ce compas de précision, c'est plus une sorte de boussole, hein. Une boussole. Alors, attends. Hop. Du coup, hop. On va donc revoir la généra pour lui apporter le compas de précision. Tenez, madame. Voilà votre compas de précision, Marilou. Parfait. Maintenant, vous pouvez lire la carte. J'ai repéré l'endroit. Je vous remercie,
sincèrement. Je vous en prie, vous devez partir pour votre mission de reconnaissance. Exactement. Merci de votre aide. De rien. Ok, mais en gros donc, ok, on a fait sa mission, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre? Comme la carte? Marilou n'a plus besoin de cette carte. Je suis sûre qu'on peut la prendre. Alors, par contre, concernant la carte, alors là, aucune idée, hein. Aucune idée de ce qu'on va en faire. Mais attends, réfléchis. Donc là, le truc, c'est que j'ai, donc, en face ceci. Mais comment utiliser, par exemple, cette carte? Donc là, c'est en gros, j'ai le boulon, mais il me faut cette clé. Le truc, c'est que, par exemple, cette clé, ou même pas, se trouve ici. Mais le problème, c'est que, pour ceci, il faudra utiliser, par exemple, la bouteille en verre, qui se trouve là. Mais le truc, c'est où tu veux que je trouve de la colle, en soi. Puisque, par exemple, le pot, et lui, est toujours en même placement. Qui est ici. Du coup, comment tu fais pour essayer de le récolter? Regarde bien. Ah non, ça c'est déjà fait. Non, rien du tout. Non, rien du tout. J'arrive quand même, mais... Comment veux-tu que je répare ce pot s'il n'y a plus la colle de réparage? Ou est-ce qu'il serait pas planqué quelque part? Attends. Je peux essayer? Oh, cette bonbonne est cassée. Il va nous falloir de la colle pour recoller tous les morceaux. Mais comment? Attends. Ok. Je crois que ça ne va servir à rien. Comment peut-on utiliser... Attends. Laisse-moi faire quand même un petit demi-tour. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Allez, on voit par là. Non. Je pense pas. Bah attends, est-ce que je peux au moins essayer de le mettre dedans? C'est parfait. Retournons au bazar bizarre. Tu es vraiment super, Marine. J'aime bien. J'aime beaucoup, même. Moi aussi. Ok, donc, d'accord, ok. En gros, quand il y a ce truc, ceci, en gros, pas le besoin, si tu veux, que tu ailles chercher par un autre de la pince, ceci, ou de la clé. Ah, mais non, attends. Mais ce n'est pas une sorte de clé qu'il a, c'est la pince. Non. Si. Bah si, c'est la pince qui est là. En gros, c'est celui, par exemple, que par exemple, notre ami Hugo en aura besoin. Mais du coup, est-ce que c'est pas lui qui a la colle? Ok, et lui, il a la colle. Très bien. Ok, alors attends, laisse-moi donc comprendre un truc. Donc, en gros, donc on sait, on va prendre la colle pour ensuite aller au vase pour le réparer. Une fois ce vase réparé, on va voir notre ami qui fait les trucs du... pour qu'il nous passe par exemple le truc du pot. On va plutôt de la bouteille en verre pour qu'on passe donc à certains personnages doublés par Sylvain Lemarais. Pour qu'il puisse au cours réparer son bateau et tout. Ensuite, là, on a la pince qu'on donnera à Hugo, et ensuite, il pourra nous faire analyser cette nourriture qui est là, et ensuite, ainsi de suite. Ok, tout se concorde. Alors, attends. Sauvegarder. Hop. L, S, C. Pardon, je mets quand même 2. Voilà. Bon, ok, tout se concorde parfaitement. C'est la fin de cet épisode, donc, sur Martin Malice et le mystère du monstre de Légon. Like, comment, partage, abonne-toi, clique, ça sera Twitter, TikTok. Bon, ok, très bien. Mais attends, je rappelle que c'est que là, on est en train de faire le New Game Plus toujours. Le New Game Plus numéro 2. Donc, du coup, carrément, on va voir par exemple ce que ça donne, je peux dire, pour la. Entre la 3 et la 4. Mais ok, donc t'as un truc là où c'est un, en gros, genre, une passe qu'il faut aller réparer, un monstre qui a faim. Le tout par exemple avec ce genre de. Pas une sorte de palourde, mais carrément une sorte de. Pas non plus une sorte de méduse, mais carrément une sorte de. De corail vraiment qui pense à manger. Avec par exemple un bras rétractable. Et t'as un coup donc avec la pince. Donc. Et ah, c'est vrai aussi, t'as par exemple avec la générale qui a besoin par exemple d'aller déchiffrer un truc. Et donc voilà. Bon, par exemple, concernant la carte, alors là, aucune idée de ce que ça va servir. Bon, allez, tchuss!